Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Geekman, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment voir ça. C'est pas difficile du tout. Merde, c'est pas ça que je voulais lancer. Donc vous arrivez, vous tapez mod map news. Voilà, sur les Call of Duty. Vous allez prendre celui-ci, donc MW3, MW2, c'est le même, hein. Vous allez chercher. Vous faites download list, machin, vous faites ici, il y aura une page qui va s'ouvrir et une page qui va se refermer. C'est parce qu'en fait je l'ai tout simplement ici et que je l'ai retéléchargé au moins deux fois juste pour montrer l'exemple. Donc voilà, donc vous arrivez ici, vous prenez l'exe, donc je vais le mettre ici, hein, je vais même le remplacer juste pour vous. Vous arrivez ici, vous le mettez là, voilà, vous l'ouvrez. Ça va lancer avec le système de Steam, donc voilà, donc vous pouvez le mettre le FOV jusqu'à 100. Vous pouvez changer ici, mettre plus, moins, là, comme vous le souhaitez, vous mettez les trucs que vous voulez. Donc, par contre j'ai un petit truc aussi pour ceux qui ont MSI, MSI Server Warner, donc le Raven Turner Static Server, enfin les trucs pour montrer, pour afficher votre GPU et tout le tralala. Quand vous activez ça, et que vous voulez changer, admettons les graphiques parce que vous laguez, vous n'avez pas trop, vous n'avez pas une carte graphique assez puissante pour que le jeu tourne en ultra comme moi. En fait, c'est que quand vous voulez changer une option et que le jeu, admettons, il fait un petit redémarrage vite fait du jeu mais qu'il se relance aussi vite, le jeu va planter. Il va vous afficher, il va plus rien vous afficher. Donc voilà. Donc vous lancez, c'est un game. Bruit normal. C'est pour afficher ça. Voilà. Il faut surtout pas changer parce que sinon vous aurez un bug. Voilà. Hop, on change. J'ai quoi de nouveau? MP7. Excusez-moi du bruit. Voilà, on va se lancer. On se retrouve ici, donc vous êtes sûr que le FOV 65 il est comme ça. Équipe Delta, autorisation d'engagement. Je suis bien sur Steam. Hein. Voilà. Merde, je pensais que c'était 16. Voilà, donc je suis pas bad. J'utilise bien le FOV. On peut vous même jouer, ça peut mourir. Pas comme ça, 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 comme ça, comme shit. Ça vous permet d'avoir une vision assez plus grande. Voilà, c'est quand même plus rentable. Bon, par contre, votre souris elle va être 10 fois plus rapide, ce qui est logique. Ok. Donc, je pense pas que je voulais faire. Attention, un peu drone ennemi repéré. Toute la partie, c'est là, un petit peu fait pour voir ce que ça donne. Et vu comme ça, je connais des putes comme d'habitude sur ce jeu de brin. Drone activé. Dessus, bah, parce que ça prend que des coups de certain, mais les mecs. Je shoot de ne sais pas où, hein. Regardez, hein. Voilà, 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 drone ennemi repéré. Je pense que ça m'intéresse énormément parce qu'à niveau 65, il y a là, comme ça, drone activé. Regardez, regardez, c'est prêt. Tout le monde est là, tout le monde est là. C'est énorme parce que je vais jamais rentrer dans le jeu qui les guide. Donc moi j'arrête le jeu, c'est fini, j'ai fait aucun kill, vous avez pu remarquer. Et je dis allez bien vous faire foutre, pas tous les jours Call of Duty, mais heureusement que console est là et que vous avez que 2 mois pour jouer au jeu. C'est cool de payer 70€ pour payer un jeu. Moi personnellement j'achète tout le temps les jeux, les Call of Duty,
parce que je suis un peu fidèle au jeu, mais ça devient de plus en plus de la merde. J'aurais préféré voir un code 5 ou un code 4, voire un MW2 à la limite. Et plus ça avance, plus je dis que ce jeu c'est de la merde. Plus Battlefield, je dis que ça grimpe en flèche, même si ça se transforme un peu en Call of Duty. Donc en même temps, je fais un petit débat. En même temps que le tuto. Donc pour ceux qui mettront le pouce rouge et qui me diront que je suis une grosse bite, bah désolé si je joue que sur PC. Et désolé si console c'est encore pire, encore plus des gamins, encore plus de cheaters. Parce que c'est trop de la merde. Et que tout ce qu'ils veulent maintenant, la communauté, c'est de voler votre argent. Mais bon, il y a trop de pigeons qui préfèrent être volés à leur argent. Alors moi du coup, je joue à beaucoup de jeux Legit. À beaucoup de meilleurs jeux. Donc je pense que je vais faire des gameplays sur des autres jeux. Et arrêtez les tutos de merde sur ces jeux de merde comme ça. Donc moi je vous dis salut et à la prochaine. J'espère que vous serez d'avis avec moi. C'était la chaîne de The Geekman. On se retrouve. Ciao tout le monde.